Après les robines, un petit peu de sous-bois. Time en eau et pause cigarette avant d'attaquer la fin de la descente qui est très pentue. Ce qu'on aperçoit au fond, c'est Cabane Vieille, mais Cabane Vieille à côté de Ratterri, hein. Pas Cabane Vieille à côté du Couradour. Voilà, on est au fond du vallon. On va remonter sur Clignon. Pour traverser, ben, y a un truc rigolo, un petit pont suspendu. Lui qui fait bouger, Robert a peur. Et voilà, il est d'un bout. Bon, je vais attendre qu'il soit passé, je vais y aller en roulant, je pense. Petit pont suspendu. Ah, t'es monté sur le vélo, toi. Juste en bas de la descente. Jacques, là-bas au fond. Il tient vrai. Hein. Il bouge et tout. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dessous. Voilà. Ici, ben, la rivière. Les câbles ils sont solides, mais les planches, s'ils ne les changent pas de temps en temps. La prochaine fois, je passe en vélo. Le guidon il accroche, j'ai essayé. Le guidon, les pédales, il y a tout accroche. Allez, une petite remontée maintenant pour aller à Clignon. Voilà, donc on a récupéré le chemin de l'Encombrette. Et là, on descend sur le hameau de Clignon-Haut. Et voilà, Jacques qui arrive. Hello. L'arrivée de notre sentier à Clignon-Haut donc. On a quand même remonté 100 mètres de dénivelé en poussant le vélo, hein, entre temps. Entre le pont et l'arrivée. Et ici, magnifique fontaine. Avec des mirabelles ou des prunes, juste en dessus. Ça t'a plu les cailloux? Ça t'a plu les cailloux là-haut? Ouais, j'ai mis deux fois le pied par terre. Il n'y a plus de prunes. Et maintenant, retour à donc des prunes. Retour par la route chez Lucky.